Hey yo les amis, c'est DJ Tonix, donc voilà, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo de sport. Comme je vous l'avais annoncé, je change un petit peu de thème. Donc là je suis en voiture, je vais jusqu'à Noyon, donc sur le bord du canal, faire un peu de roller avec mon cousin. Enfin faire un peu, on va y aller 2-3 bonnes heures, je pense. Donc on fait ça un petit peu entre deux, en supplément du vélo pour travailler un petit peu le dos, les muscles en bas du dos, les muscles, c'est trop bien, c'est les dorsaux. Ouais. Donc ça nous permet de faire un peu de renforcement. Pour moi ça me permet de faire du renforcement au niveau des chevilles également. Donc voilà, donc là une petite intro sympa. Donc on se retrouve arrivé sur place avec mon cousin. Voilà, re les amis, on se retrouve. Donc là ça y est, on vient de partir, on vient de s'équiper. Par l'instant les voitures sont juste là. Donc je suis avec mon cousin, comme je vous l'avais dit avec Evan. Pareil, hein, le lien de sa chaîne sera dans la vidéo. Donc on part pour je pense à peu près 2 heures de roller là. À peu près 20 bornes, ouais, en vitesse moyenne à entre 12 et 14 km/h. En plus on a le vent dans le dos pour partir, c'est parfait. Ce sera pas la même histoire pour revenir. Exactement. Donc on est sur un terrain qui est vraiment plat, on est sur le bord du canal, c'est vraiment de l'entraînement, du supplément. C'est en plus du vélo et de la course. Voilà. Et comme je disais dans l'intro, c'est beaucoup moi aussi pour préparer mes chevilles. Enfin, un petit peu de renforcement, ça fait pas de mal. Donc voilà, donc on se retrouvera en 5, 10, 15 et 20 km. On fera des petits points régulièrement. Allez, à tout à l'heure. Il y a quasiment 5 km, on a 4,17 exactement. On vient de taper, quand je disais que c'était plat, c'est un peu faux. Il y a des petites montées comme ça qui paraissent pas si raides que ça à la vidéo. Il est en train de faire pipi, calme. qui paraissent peut-être pas si raides que ça, mais qui en roller pique un peu, surtout qu'il y a des cailloux, donc ça glisse. Donc là, on est à 4,17 en vitesse moyenne à 13,5. Attends, combien de temps? En 18 minutes, donc c'est pas mal. Voilà. Voilà, donc allez, petit vlog arrivé à 10. Bien, re les amis, pour la troisième partie de ce vlog. Donc on est actuellement à 10 km 60 en 40 minutes 21. Donc ça nous fait une moyenne d'à peu près 4 minutes 25, 30 au kilo, c'est pas mal. Bon, en même temps, on est en roller. Donc là, on arrive à l'écluse où on avait fait le vlog des 5 km tout à l'heure. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de vent, vous voyez mes cheveux, hein, et qu'il commence à pleuvoir, on a fait demi-tour. Ça va nous faire à peu près entre 14 et 15 km. Donc voilà, il y aura un petit débrief à la fin pour donner un petit peu le ressenti. Et puis c'est vraiment pour tous ceux qui font du run ou qui se lancent, je conseille le roller, hein, ça peut être une petite activité alternative entre deux. C'est vraiment pas mal, ça permet de garder, vous travaillez beaucoup vos appuis avec les chevilles et ça travaille beaucoup les muscles dorsaux. Donc voilà, dernière partie de la vidéo, donc on vient d'arriver, on a fait, oh là j'ai oublié de l'arrêter, on a fait 15 km en 1h15 je crois à peu près. Attendez, je vais l'enregistrer, je vais vous dire ça. Evan, dégage, il est en train de cracher de l'eau sur ma voiture. Putain. 15 km 26 en 1h15, dégage. Il s'en est mis partout. Donc, comme j'ai dit, 15 km en 1h26, ça nous fait une moyenne de 12,1 km/h. Ouais, ah, c'est parce que j'ai oublié de l'arrêter. Là. Donc, hein, ça mouille. Donc, ouais, maintenant on est au sec, hein, parce que c'est vrai qu'il pleuvait bien. Hein, ça commence à bien tomber. Donc, pour ceux qui veulent savoir où on en fait au bord du canal Nord-Seine à Noyon. Donc, on part de beau séjour, hein, puis on va jusqu'après quoi le château, enfin, demain dans la direction. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations, vous aurez dans la barre d'infos plus de renseignements si besoin. Et pareil, n'hésitez pas à poser vos questions pour la FAQ qui aura lieu d'ici quelques mois. Allez, à bientôt tout le monde!